Yeah, 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 y
Oh, you're so beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful.
Amen. Tout d'abord, je vous remercie en disant bonsoir. C'est pas évident avec le temps, la pluie. Vous avez manifesté une grande volonté. Vous nous avez témoigné votre amour. Vous partagez cette douleur, la perte de notre très cher papa pour nous, oncle ou certains, certaines, grand-père, beau-frère, neveu et fils. Nous, les enfants Mikamana, les enfants Mikamana Thomas, ici présents, avec notre très chère maman, nous tenons à vous remercier et du profond du cœur. Parce que c'est à des moments pareils qu'on reconnaît qui est ton frère, ton ami, ton parent. Nous sommes convaincus que nous ne pleurons pas seuls, notre cher papa. C'est votre papa aussi. Je ne serai pas long. Papa est parti. Certes, il est parti, mais il est présent. Ce n'est qu'un au revoir. C'est le cycle de la vie. L'homme naît, l'homme grandit et l'homme repart. Et quand l'homme décède, on dit, il a rendu l'âme. À qui a-t-il rendu l'âme? Au propriétaire et notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Je veux pas être long, je veux passer le micro au pasteur qui va te faire une exhortation ce soir, de partager la parole. Pasteur, s'il te plaît. Est-ce que pour l'honneur de celui-là qui est l'auteur de ce son que nous respirons tous, est-ce qu'on peut se lever? À moins d'être malade. Oui, pour l'honneur de celui-là qui est l'auteur de notre souffle, nous pouvons tous respirer. Cela est l'œuvre de sa gloire et de sa majesté. Vous savez, je suis le pasteur de ce lieu et c'est la première fois que je vois l'église aussi remplie. Je comprends la mission, ma prière, et j'aurais aimé que ça soit comme ça tous les dimanches. Amen. Et Dieu pourvoira. Maintenant, tu connais ce lieu, mais on va quand même bénir l'Éternel. Pour ta présence par rapport à la famille, on va prier tous ensemble avant la parole. Adonai, nous bénissons ton nom pour ce temps si profond où l'homme se rend compte de sa petitesse, où l'homme se rend compte de sa petitesse. Seigneur, nous te supplions. Je prie, Père, que chacun de nous sort de ce lieu avec un dépôt. Accompagne ce qui sortira de ma bouche. Sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ton esprit. Et que ton esprit parle au cœur. Tu es Dieu. Glorifie ton nom. Encore merci pour cette famille. Merci pour toutes les personnes qui ont répondu présent à l'invitation. Bénis ton nom et glorifie ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes frères, mes soeurs, mes mamans, je vous ai interpellé. Mais sur un point, peut-être deux, rapidement. Et mon objectif, c'est que tu puisses te rendre compte de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. De la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Je veux dire Genèse au chapitre 2, au verset 7. La Bible déclare, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. » Il souffla dans ses narines un souffle de vie.
Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Une des choses qui montre l'existence, je vais vous intéresser sur surtout la valeur de ce souffle. On ne se rend jamais compte de la valeur de ce souffle. Mais toute notre vie est conditionnée sur ce souffle-là. Alléluia. Sûrement, il y en a qui vont aller travailler demain pour essayer de prendre soin de ce souffle. Les nations font la guerre dans le but de préserver la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? On économise dans le but de prendre soin de, plus tard de la vie. On essaye tous de préserver le souffle que Dieu nous a donné. C'est le chemin obligatoire, mon ami. Un jour ou l'autre, tu vas y aller, tu vas y passer. Et le problème, c'est que la Bible dit, l'Éternel Dieu souffla dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu t'a donné quelque chose qui était de lui, le souffle. Nous avons entendu tout à l'heure l'introduction, le frère a dit, la personne, on dit souvent dans le monde, ou bien tout, c'est un jargon, on dit, la personne a rendu l'âme. À qui on rend l'âme? À qui on rend ce souffle? À quelqu'un qui nous a prêté. Une nation va combattre contre une autre nation dans le but de préserver sa population. En réalité, c'est tout simplement dans le but de prendre soin de ce souffle. Mais le problème, ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais de ça? Aujourd'hui, le souffle que Dieu nous a donné à utiliser dans le but de faire du mal. Le souffle que Dieu nous a donné est utilisé aujourd'hui dans le but de détruire l'autre. Vous savez, j'ai pour définition, aimer, c'est quoi? Aimer, c'est souhaiter que l'autre existe. Alors ça, c'est la définition la plus simple. Aimer, c'est pas cadeau, machin, non. Ça, c'est un leurre. Aimer, c'est souhaiter l'existence. Amen. Nous, les nations se font la guerre. Les gens se détestent dans le but. Les gens se réveillent le matin pour aller au travail dans le but. Les gens quittent les pays d'Afrique pour venir en Europe dans le but de préserver quoi ce souffle. Croyez-moi. Notre papa est parti. Il n'est plus là. L'existence. Chacun de nous se pose la question de l'existence. Chacun de nous se pose la question de l'existence. Mais nous ne posons jamais la question de qui est l'auteur de l'existence. Ici, la Bible dit, l'Éternel Dieu souffla dans les narines. C'est-à-dire que Dieu a soufflé dans tes narines et dans mes narines. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Tu peux douter de ça. J'ai dit Dieu. Parce que je sais qu'il y a une multitude de dieux. Mais moi, je crois à un Dieu invisible qui est au ciel et qui occupe l'espace. C'est-à-dire qu'il a le monopole sur ton souffle. C'est lui qui peut décider de ça. Même si, selon nos rituels, un homme peut décider de me tuer. Mais si tu viens ici le dimanche, on te dira non, un homme n'a pas la capacité de te tuer parce que l'auteur de ton souffle, il est partout. Il sonde les cœurs. Il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait déjà ce que le sorcier peut décider de ta part. Amen. Je fais une parenthèse sur ce mot-là parce que c'est un mot favori pour nous autres Africains. Le sorcier existe, mais il ne peut rien contre quelqu'un qui connaît la valeur de ce souffle. Quelqu'un qui valorise le souffle de vie. Amen. Est-ce que tu es conscient du souffle que Dieu t'a donné? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends soin du souffle? Parce que ce n'est pas à toi, il t'a prêté seulement, uniquement, c'est un prêt. À toi zéro, évidemment. Sauf que, à un moment, un jour ou l'autre, on va rendre compte de ce qu'il nous a donné. Il a rendu l'âme. Il est parti rendre l'âme. Il a rendu l'âme. À qui on rend l'âme? Suite à un décès, un homme politique disait, ce monsieur a rendu l'âme.
Mais à qui? Je me suis posé la question. Et quand le frère a rappelé cette chose, gloire soit rendue à Dieu. À qui on rend l'âme? On rend l'âme à Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Tu as le mandat. Quand Dieu nous renouvelle ce souffle, quand il nous donne ce souffle, il nous donne un mandat d'en prendre soin. Et surtout, de souhaiter que l'autre existe. De souhaiter que l'autre existe. Tu peux être ici, dans ton cœur, tu... Vous voyez, quand on parle de la sorcellerie, nous on a mystifié ça. La sorcellerie, c'est quoi? C'est dès lors que tu ne supportes pas que l'autre existe. C'est-à-dire, tu peux être ici, dans ton cœur, tu es rempli de haine. Amen. C'est ça, un sorcier. Tu es ici, avec nous. Tu serres la main aux gens. Mais dans ton cœur, tu ne supportes pas quelqu'un. Quand tu détestes quelqu'un, tu ne souhaites pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne souhaites pas que cette personne existe. Je prie que tu sois avec moi. C'est-à-dire, tu t'opposes à celui-là qui lui a donné ce souffle. Réponds-toi. Tous autant que nous sommes ici, on a des prisons intérieures où on a mis les gens. Dès que tu en parles de cette personne-là, tu ouvres une prison, tu le fermes. Sorcier. Même si tu ne viens pas le dimanche à l'église, tu es un sorcier. La sorcellerie commence là. C'est-à-dire que tu as le souffle de vie, tu ne supportes pas les autres. Tu ne résistes pas à une personne qui t'a fait mal. Toi, tu ne fais pas mal à Dieu. Il t'a donné le souffle de vie pour prendre soin de ta femme et de tes enfants. Tu trompes ta femme. Oh, j'entends ah, ça. Maman, ne t'inquiète pas. Il reprendra devant Dieu. Mais là n'est pas mon point. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Amen. Mais tout simplement pour expliquer que nous avons tendance à amoindrir la valeur de ce souffle. Si tu veux, j'aime souvent dire ça, si tu veux connaître la valeur de ce souffle, reste comme ça pendant 30, allez, 10 minutes, même pas 5 minutes. Et on va t'acclamer. C'est là que tu vois, on va se rendre compte de l'existence de Dieu. Bien aimé, Dieu est partout. Il a déployé sa gloire partout. Et quel que soit le lieu, l'homme bénéficie de ce souffle. Quel que soit le lieu. C'est-à-dire que nous bénéficions de ça, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis. Quel que soit le lieu, c'est. Il y a un réservoir, il y a une machine qui renouvelle ça. J'aime souvent dire, imaginons que ça appartenait à Poutine ou à Macron. Alléluia. Ça sera l'objet d'un marchandage. Bien aimé. Je souffre pour ceux-là qui ne croient pas que Dieu existe. Voilà, regarde, à la fin, tu viens me voir, on va en parler. Ça, c'est pas le point. Mais je veux t'interpeller. D'ailleurs, si tu ne crois pas qu'il existe, s'il te plaît, sors juste là-bas et reste comme ça pendant une heure. Le temps que je finis de faire une prédication, je viens te voir. Si tu seras toujours en vie. Amen. Alors, je voulais vous interpeller parce que deux fois, tu peux être là, mais tu es occupé par une situation, par un problème. Mais tu ne te rends pas compte de la grâce. Tu es tellement occupé, omnubilé par une situation, par une opposition, mais tu ne te rends pas compte de ce souffle que tu as. On m'a appelé tout à l'heure. Je dis, pasteur, il y a une fille, il y a une de mes filles à l'église, elle est dans le coma. Amen. Je commence à voir tout ce qu'elle a eu à réaliser. Tout ce qu'elle a eu à réaliser. Elle est dans le coma. Et toute la famille, maintenant, se rend compte de la valeur de ce souffle. On veut retenir ça. Je vais lire un verset. La régie, si vous pouvez mettre Ecclésias 8:8. Je vous invite à lire avec moi Ecclésias. Chapitre 8 au verset 8. S'il vous plaît, j'espère, la régie, mettez-moi ça, s'il vous plaît. Ecclésias. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Toi et moi, on n'est pas maître de notre souffle. Alors, quand tu ne supportes pas l'autre, tu crois être le maître de son souffle. On a mis
si tu es ici, si tu as des personnes qui ne te supportent pas, ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas maîtres de ton souffle. Merci pour ton amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, de la même manière qu'ils ne sont pas maîtres de ton souffle, toi non plus ne sois pas maître de leur souffle. Notre papa n'a pas pu retenir son souffle, il est parti. Et nous bénissons l'Éternel. Tout à l'heure, je demanderai, tout à l'heure, on va écouter les témoignages. Mais en même temps que je vous parle, ne partez pas sans avoir cotisé. Je vous connais. On serre la main, comme il y a du monde, on part discrètement. Non, même 5 euros dépose. Alléluia. Alléluia. Les pingres, ils ne répondent pas amen. Parce qu'ils sont détectés. Non, ne part pas sans avoir cotisé. Amen. Amen. Vous avez de la chance, hein. Si je suis pas, j'allais me mettre là-bas. Avec le cahier. Bon, revenons. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ça. On n'est pas maître de ça. Donc, c'est une valeur absolue, le souffle de vie. C'est une raison d'être de ta vie. Le souffle que Dieu t'a donné, c'est ça qui te donne la capacité de se mouvoir. Tu n'es pas maître de ça. L'homme n'est pas maître de son souffle pour retenir ça. Chacun de nous ici, personne ne pourra retenir son souffle. Alors, je veux t'interpeller pour que tu, en sortant de ce lieu, tu te poses la question, est-ce que j'ai une relation avec celui-là qui me renouvelle le souffle? Je ne te demande pas d'avoir une relation avec la religion. Amen. Je te demande d'avoir une relation spirituelle avec celui-là qui est le maître de ton souffle. Celui-là qui te renouvelle ça. Je ne te demande pas d'être un religieux ou un donneur de leçons. Permettez-moi, aujourd'hui, je m'érige un peu en donneur de leçons. C'est exceptionnel. Amen. Amen. Tu as le droit de m'écouter aujourd'hui, uniquement. Peut-être demain, si tu veux. Mais, sois conscient. Ayez la conscience de Dieu. Nous avons perdu la conscience de Dieu. Nous avons la conscience de ce souffle. C'est-à-dire qu'on a la conscience du travail. On a la conscience de nos ennemis. La conscience de nos affaires. La conscience de la situation. Nous traversons des situations difficiles. On a la conscience de ça. Mais on n'a pas la conscience de Dieu. Et souvent, on a la conscience de Dieu lorsqu'on vient à des décès. Comme ça, on se rend compte que Dieu existe. Et il est le maître de tout. Il décide de tout. Je vais t'interpeller. Ma prière est que tu puisses être conscient de la valeur de la vie. Un problème, des difficultés, c'est rien à côté de la valeur de la vie, à côté de ce souffle que tu as. Il y a un problème qui t'occupe tellement ici. Il y a un problème qui t'occupe tellement. Donc, du coup, tu es hors cadre. On a sorti, tu as mis Dieu de côté et il veut t'interpeller ce soir. C'est rien à côté de ce que j'ai déposé en toi. On se bat tous. Surtout moi, je fais du sport. On fait du sport. On peut déployer n'importe quelle situation pour essayer de préserver la vie. Mais on ne pense pas à renouer avec celui-là qui est le maître de la vie. Je vous assure, la meilleure chose que tu as dans la vie, c'est ce souffle. Personne ne peut dire le contraire. Tu peux me mettre torse et tu as toutes sortes de vêtements, de marques, de Yoshi, Yamamoto et tout le reste. Tu peux citer tout ce que tu as. Mais regardez, il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Je peux être le maître de ce local, je peux être le maître des hôtels, je peux avoir tout ce que je veux. Mais j'ai aucune puissance. L'homme n'a aucune puissance. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance. Bien aimé, l'homme n'est rien. C'est alors qu'on comprend, lorsque M. Chirac est parti, c'est alors qu'on comprend qu'il était rien. Amen. Les gens qui l'ont eu à traiter de cafard, alors je ne sais pas si d'autres ont connu ça, les gens qui l'ont eu à traiter de cafard, ils sont restés et en forme et en vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas maître de ton souffle pour retenir ça. Alors, ne retiens pas les gens dans ton cœur. Bien-aimé, nous pratiquons la sorcellerie sans se rendre compte. Tu es là, je suis là. Quand tu détestes quelqu'un, tu le gardes dans ton cœur. Tu es un sorcier.
Pardonnez-moi d'être si radical et dur. Mais c'est pour t'interpeller, pour que tu sois conscient que la personne autant qui est en face de moi, ou qui ne supporte pas, ou que moi je ne supporte pas, cette personne-là, Dieu lui a, il y a quelque chose de Dieu en lui. Amen. Il y a quelque chose de Dieu. Et moi je souffre quand je vois les frimeurs. Moi je souffre quand les gens, je vois les gens qui s'accaparent, qui sont tellement omnibulés, attirés par les choses. Les choses. Mais ils n'ont aucune puissance. Toutes ces choses sont éphémères. Même la situation que tu cherches est résolue. Une fois la situation résolue, il y aura une autre situation qui va. Je t'assure, ta situation, c'est rien lorsque tu vas renouer avec ton Dieu. Beaucoup de gens, tous autant que nous sommes ici, nous n'avons pas le repos parce que nous avons des projets. Tu as des projets, tu as des projets. Mais la Bible dit que c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alors quand tu sais ça, je suis au repos. Je peux avoir des projets, je peux investir totalement, mais c'est les desseins de Dieu. Bon, s'il y a un vrai sorcier qui pratique la sorcellerie ici, lui c'est pire. Mais bon, je ne voulais pas parler de lui, mais si il est... Vous savez, il y en a, hein? Amen. Bien-aimé, si Dieu nous donne ce souffle, c'est la source de notre existence. L'existence, une valeur absolue. L'existence, c'est quoi? C'est être. Papa, n'est plus. Tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça l'existence. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Mon ami, à chaque fois que tu as le temps, parle avec celui-là. Sois vertical. Nous avons souvent tendance à être horizontal. C'est-à-dire, je regarde aux hommes. Je regarde aux hommes. Je regarde aux hommes. J'oublie d'être de temps en temps vertical. Regardez à Dieu. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance. Bien aimé, c'est pathétique de voir des hommes qui bombent le torse. Pour le peu. Pour le peu, tu as mis un vêtement, tu as mis un t-shirt, on a écrit je ne sais pas quoi dessus, tu bombes le torse. J'aime souvent dire à l'église, c'est un pourboire pour quelqu'un. Le vêtement que toi tu mets, les chaussures que tu mets, la voiture que tu exhibes, c'est un pourboire pour quelqu'un aux États-Unis, même en Afrique d'ailleurs. C'est pathétique. C'est pourquoi prends soin de ce que Dieu t'a donné. Nous prenons soin de notre voiture, soin de notre chaussure, surtout nous autres là. Il y a un pays là-bas, là. Ils aiment ça. Donc là, je suis en train de prêcher, j'ai déjà vu mes godasses. Ils sont terribles. On prend soin de petites choses éphémères qui sont périssables. Et on peut, dans les foyers, vous voyez des gens se prennent la tête, ils se disputent, ils ne s'entendent pas, monsieur et madame, pour des choses éphémères. Et lorsque la personne va partir parce que Dieu a pris le souffle, il faut voir comment elle va pleurer. Pathétique que nous sommes. Amen. Merci pour ceux qui ont dit amen. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. C'est un combat. Le souffle que... Oui, c'est un combat. Je vous ai dit. Les Européens vont verser des sous en Ukraine pour essayer de préserver l'existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils vont envoyer des gens mourir pour essayer de préserver l'existence. Malheureusement, il y a des morts. En Russie, il y a des morts. Les Européens, il y a des morts. Bien aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur. Je veux insister de la valeur que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné quelque chose de lui. Il a dit, il souffla dans les narines. Tu as quelque chose de Dieu. Au-delà de ce que tu n'as pas, au-delà de ce qui te manque, Dieu t'a donné quelque chose. Tu as quelque chose de Dieu. Ne regarde pas les difficultés actuelles. Tu as quelque chose de Dieu. Et ne regarde même pas ce qui est sorti de la bouche des hommes pour te définir, pour te qualifier. Tu as quelque chose de Dieu. Donc en sortant d'ici, lève la tête. Oh! Tu as quelque chose de Dieu.
Quand tu sois sorcier, tu as le souffle de Dieu. Mais tu rendras compte. Les gens sont capables, sont torturés à cause de ce souffle. Il suffit de voir, moi je vois souvent à l'église, dès qu'on va dire prier pour celui-là qui veut te tuer, les gens se transforment. Tu vois des gens qui sont devenus, qui deviennent comme ça. Au nom de Jésus, calme-toi. Vous voyez, pourquoi? Il veut préserver son souffle. Amen. Et même, si vous me permettez l'expression, nous autres pasteurs, il y en a qui font de ça un business. Il sait que lorsque je vais te dire, ton oncle veut te tuer, mon frère va avoir peur. Amen. Est-ce que l'oncle-là est l'auteur de ce souffle? Excusez-moi, pardonnez-moi pour ceux qui sont les adeptes de ça. L'homme n'est pas maître de son souffle. Donc mon oncle n'est pas maître de mon souffle. Si jamais un jour tu meurs, c'est Dieu qui a décidé. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas un sorcier. Oh, merci pour ton amen. Je rencontre ici des résistances. Je sais qu'ils disent, oh ben oui. Non. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas maître. C'est pas moi, c'est écrit. Tu parles aux croyants, hein? C'est écrit. L'homme n'est pas maître. Il ne peut pas être maître. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit, dans ta famille, il y a la sorcellerie. Tu dis, moi. Attention. Il faut être en communion et en relation avec Dieu. Si tu n'as pas une relation fusionnelle avec Dieu, tu es appelé Ngamundele, hein, brochette. Vous êtes avec moi? Faites très attention. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu valorises ce qui t'a le dépôt de Dieu? Parce que tu as ça, Dieu t'a donné ça. Ne sors pas d'ici abattu, stressé, coincé, angoissé. Ne sortez pas d'ici angoissé. Même quand tu as la maladie, ne sors pas d'ici. Seigneur, tu es le maître de ce souffle. Oh, je prie que je parle à quelqu'un. Ne sors pas d'ici comme ça. Et toute notre vie tourne autour de notre existence. Mais pas autour de Dieu. Je veux tellement exister que je veux avoir ça. Oh là là, moi j'ai des projets incroyables. Voilà, j'ai des projets incroyables. Vous voyez, toute notre vie tourne autour de ça. Mais à un moment donné, bien aimé, tu dois prendre du temps. Alléluia. Ceux qui sont en train de partir, n'oubliez pas de cotiser, hein. N'oubliez pas de le carnet. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour plus ou moins, je ne vais pas être long. Il dit, l'homme n'est pas bête. L'homme, il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. C'est-à-dire que si tu as décidé, c'est comme ça. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Il y a des gens que tu crois en gardant la personne. Bien aimé, c'est spirituel, c'est démoniaque. Tu crois en gardant, en serrant quelqu'un, en emprisonnant quelqu'un dans son cœur. Tu crois pouvoir sauver ta vie. Non. Méchant. Mais effectivement, quand tu as une relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu va te rendre compte que ce n'est pas bien ce que tu fais. Et tu libères. Amen. Chacun de nous. Même ceux qui ne sont pas là, même ceux que tu ne supportes pas, tu détestes, ils sont quelque chose de Dieu. Ils sont ignorants. Mais tu n'es plus ignorant puisque tu as entendu. C'est notre rôle de rappeler au peuple de Dieu, de rappeler à l'homme. C'est mon rôle de te rappeler que tu as de la valeur, tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur. Ta valeur ne dépend pas de tout ce qui frappe les regards. Est-ce que vous êtes avec moi? La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qui frappe les regards. La valeur d'un homme dépend de celui-là qui lui a donné une semence. Est-ce que vous êtes avec moi? Ta valeur ne dépend pas de ce matériel. Vous savez, ah, mais j'ai ça, on a ça. Ou bien il me manque ça. Bien, mais une des forces du diable, il crée le manque. Tu peux venir ici, mais tu es tellement complexé de voir les autres. Lui, il crée le manque. Faites attention, en sortant d'ici, je vois, ah moi, je n'ai pas ça. Il fait tout pour nous détourner de Dieu, pour te détourner de la connexion avec Dieu. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, il me manque ça. Les gens sont stressés. Une des puissances du diable, c'est ça. Il crée le manque. Il me manque telle chaussure. Il me manque ça. Il me manque ça. Il y a des gens qui meurent en Méditerranée à cause du manque. Ça, c'est une des puissances du diable. Il vient, il rencontre Adam et Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit?
Ah, mais si tu ne manges pas, mais tu loupes. Il faut manger cette pomme-là. Ah, il faut que je goûte. Il crée le manque. Tu es marié, il va créer le manque. Tu vas voir une autre. Je m'en dis dans mon délire. Amen. Le diable crée le manque. Retenez ça. Tu es marié, mais tu vas quand même aller voir dehors. Pourquoi? Parce qu'il a créé le manque. Maintenant, tu ne te rends pas compte. Bien avec ça spirituel. Je ne peux pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais comprenez une chose. Le diable a une capacité incroyable de créer le manque. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon. Et je ne... Oh, merci. Merci de m'avoir accompagné un tout petit peu. Merci, ma soeur. Je compte sur toi pour que tu ne laisses pas le manque occuper ta vie. Bien aimé, combien de personnes sont complexées, abattues, détruites à cause du manque? Manque. Bien aimé, que ton compte en banque soit vide. Sois conscient que, tant que j'ai ce souffle de vie, je suis peinard et tranquille. Le malin crée le manque. Il va créer le manque en toi, tellement que tu es capable de détourner le regard de tout ce qui est autour de toi, d'être désagréable parce que ton manque. Il y a des personnes qui sont aigries lorsqu'ils se réveillent le matin. Manque. Dans le but de te détourner de Dieu, de la connexion. Chercher la connexion. Chercher coûte que coûte. Bien aimé, j'insiste, mon frère, ma soeur. J'insiste. Papa est parti. Il a exploité la valeur de ce souffle. Mais toi et moi. Amen. Est-ce que le jour où tu vas partir, les gens vont venir témoigner? Regardez. Je bénis l'Éternel. Amen. Est-ce que les gens vont venir témoigner? Tu es un témoin de Dieu parce que Dieu t'a donné ce souffle. Dans le but d'être un témoin. Ta vie doit manifester son amour. Dieu est comment? Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu souhaite l'existence de l'autre. La preuve, on est là. On est là. C'est pas nos efforts. C'est pas ton travail. Amen. Amen. Dieu est bon. Et il souhaite ton existence. Alors, sois conscient de la valeur de ce souffle. Et surtout, je prie que tu aies la conscience de Dieu. Il y a des gens qui n'ont plus la conscience de Dieu, mais qui ont la conscience du manque. Tu es là. Il te manque tellement. Cette affaire te touffe tellement. Toi, t'accable tellement. Et Dieu, il profite, il dit, William, il t'attendait là pour que je te dise qu'attention, arrête. Tu es tellement captivé par ça. Et tu es tellement horizontal, il t'attend vertical. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, Congo. Si tu étais mes frères, d'ailleurs, dès que vous allez ton... Amen. On résiste à Dieu chez moi là-bas. Bien aimé, cette affaire de manque, je vous assure, hein, même si tu ne veux pas, je prie que l'esprit qui m'anime aujourd'hui t'interpelle et te parle. Il me manque la santé. Il me manque le mariage. Il me manque telle chose. Le malin craint le manque. Et comment tu te comportes face à ça? Le médicament, c'est la foi. Le médicament contre le manque, c'est la foi. Amen. Alors, vous savez, le témoignage. Dieu a donné ce souffle pour témoigner. Témoigner Dieu. Qui peut témoigner de cet papa ici? En prenant très peu de temps. Qui peut témoigner de ce que ce monsieur est? On laisse les enfants de côté. Qui a connu ce monsieur qui peut venir témoigner 2 minutes, 3 minutes? Bien, vous voyez, un jour, ça sera ton tour. Je prie qu'on pourra témoigner. Qui peut venir témoigner pour ce monsieur? Quelques minutes, hein, pas trop longtemps. Allez, je sais que parler devant un public, ce n'est pas évident. Croyez-moi. Amen, moi, c'est l'habitude. Mais viens témoigner, j'ai connu ce papa. J'étais enfant. Qui peut témoigner? Venez témoigner parce que c'est important les témoignages. Les témoignages, ça va. Quelqu'un qui est ici, qui faisait du mal, qui avait l'habitude, tu vois, la personne va corriger, va se corriger.
Amen. Qui peut témoigner, s'il vous plaît? Y a-t-il un courageux? Y a-t-il un courageux? On lève seulement la main là où tu es. En dehors des enfants, on a besoin des gens capables. Non, mais n'ayez pas peur. Si tu veux parler en langue, en Touba, en Congo, peu importe, tu viens. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui va témoigner. Vous voyez? Il y a beaucoup à dire. Ne garde pas le témoignage de quelqu'un, surtout si tu as vécu avec, tu sais ce qu'il a eu à faire. N'enterre pas. Qui parle? Que ce monsieur ne parle pas. Sans que tu aies témoigné, sans que tu aies eu à dire quelque chose. Ah, je pensais qu'il se levait. Ah, merci. J'ai eu l'occasion, comme à le pasteur, de dire bonsoir et puis votre présence ici. J'ai attendu, bon, mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté, lever la main. Et j'ai eu une impulsion de mon frère qui m'a dit, vas-y, parle pour moi. Pas coblé. J'ai remarqué que cette famille Kamola et la famille Nikiniki, en réalité, c'est une même famille. Donc ils étaient deux personnes qui ont grandi ensemble, qui ont vécu une jeunesse ensemble. Et aujourd'hui, Papa Koblé a rejoint son frère, qui est parti 3 ans avant. Alors, n'est pas le témoigner, n'est pas faire un témoignage. À son nom, ce serait une trahison. C'est pour nous un père. Il nous a éduqués, il a été tout le temps à côté de mon papa, et c'était un homme très humble. Et qu'il est difficile de donner en réalité la vie de la personne. Mais ce que je vais dire rapidement pour finir, c'est que nous devons prendre leur exemple. Ils ont atteint un âge, comme dit le pasteur tout à l'heure, ils ont maîtrisé pendant un temps leur souffrir. Et nous devons nous comporter de la sorte pour arriver à ce point. Les enfants de ce monsieur qui est mon père, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester unis, attentifs et vivre à son âge. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes là? Un homme humble, un modèle, on retient ça. Qui peut encore témoigner? C'est pas un exercice facile, mais si tu as une anecdote, c'est pas mauvais de venir parler. C'est toujours, c'est nécessaire pour d'autres. Y a-t-il une maman qui veut parler et témoigner? Ce papa, je sais qu'il y en a, mais je sais aussi que, vous voyez comment la puissance de la peur. Allez, qui va braver la peur? Qui va marcher sur la peur? Quand on vous dit que le diable existe, il existe vraiment. Regardez, les gens veulent témoigner, mais ils ont peur. La peur est une puissance. Bien aimé, la foi dégage le diable, il va plus loin. Alors, y a-t-il quelqu'un qui va oser braver la peur? Non? Tiens, qui veut parler? Qu'est-ce que je peux dire pour Papa Koblé? Ceux qui nous ont connus tous à la case d'école,
Congo. On l'appelait papa, le papa des moutons, le papa méchant. Et en même temps, pour nous, c'était un papa gentil. Il a été un modèle pour nous. Très dur, certes, très très dur. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions être aussi forts, soudés. Et il laisse un grand vide pour nous, pour moi, pour mes soeurs qui nous attendent, notre pays. C'est un papa qui parlait pas beaucoup, mais il parlait avec le regard. Il a eu la chance d'avoir une merveilleuse épouse qui est ma mère, qui a toujours été à ses côtés, malgré sa santé. Si seulement je pouvais faire passer toutes ces vidéos, ces derniers moments qu'on a passés ensemble, dans la douleur, mais en même temps, c'était des moments de joie pour nous. Je me rappelle encore lorsqu'il a fêté ses 87 ans. Il voulait partir. Et on l'a supplié, papa, tu dois arriver à 90 ans. Il a dit, je vais essayer. Et il nous a fait grâce de fêter encore ses 88 ans. Et il est mort 17 jours après. Donc pour moi et mes frères, et pour maman, on rend grâce à Dieu parce que nous a donné encore une année de plus et malheureusement il est parti. Mais je sais qu'il est parti se reposer. Il a besoin de ce repos. Donc je demande à Dieu qu'il puisse lui accorder une place auprès du Père. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Un homme Dieu. En fait, quand on parle de la dureté, c'est vrai, il faut comprendre, c'est que c'est quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui avait du caractère. Moi, je l'ai vu une fois à l'hôpital, j'ai accompagné mon frère Jean-Michel, c'était un homme qui avait du caractère. Dans les réponses, dans la manière de répondre, tu sentais que tout était, il y avait du vécu. Amen. Moi, j'aime les hommes qui ont du caractère. Aujourd'hui, surtout chez moi, là-bas, il y en a très peu, il n'y en a plus quasiment. Comme vous ne connaissez pas chez moi, donc ça va. Des hommes de caractère, on en trouve très peu. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je dis que c'est un homme de caractère? Je suis sûr et certain, il est resté avec maman à 80. Dieu seul le sait ce qu'il a. Amen. Mais il est resté là. Il n'est pas parti ailleurs, il est resté là. C'est pas vrai, maman? Maman va me dire le contraire. Il est resté là. C'est un homme de caractère. Qui peut encore témoigner? Une personne? Avant que je passe le micro au DJ, avant qu'on passe à la prière, on va prier pour la famille. Tout à l'heure, le frère a souligné un point de l'unité. La plupart des familles sont divisées. La plupart des familles. Quasiment, je dirais, 95% des familles sont divisées. Tout simplement pourquoi? Parce que les témoins, les gens ne sont plus conscients de ce que Dieu a déposé en eux. Les gens sont divisés à cause, souvent c'est de l'argent. Qui peut témoigner encore? Y a-t-il une personne qui peut témoigner? Juste pour vous rappeler, il y a un cahier. Hein? Il y a un cahier, il faut penser à cotiser parce qu'ils vont aller enterrer là-bas, là-bas, en Afrique, là-bas, ça coûte. Ne soyez pas pingre. Moi, en ce qui me concerne, pour mon frère, l'église va cotiser, mais vous aussi, pensez à cotiser, à soutenir la famille. Amen. Maman, tu venais témoigner, c'est ça? Non, non. Non, mais viens, viens, viens. Il n'y a pas de témoignage. Non, mais j'aime Jésus, c'est ça mon témoignage. Non, témoignez maman. J'aime Jésus. Elle aime Jésus. Amen. Mais il faut relayer là, il faut relayer là. Alléluia. Bon, elle voulait témoigner, mais on cherche des témoignages. Bon, le témoignage ici, c'est du papa qu'on veut parler. Personne d'autre? Il n'y a personne pour témoigner. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour la famille? On va se lever, on va prier pour la famille. Et nous sommes venus honorer quelqu'un. Honorer nos amis, nos frères, nos soeurs. Si tu es maman fatiguée, ce n'est pas la peine. Mmh.
Est-ce que la famille, les enfants peuvent venir devant? S'il vous plaît, les enfants, venez devant. Venez devant, nous allons prier. Nous allons demander à ce que notre Dieu puisse revêtir les enfants de sa gloire. Adonai, tu es un Dieu grand. Je lève ma main. Je lève ma voix vers toi, le Dieu véritable. Je lève ma voix vers toi, le puissant guerrier, le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as décidé de la mort de cet homme. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Nous sommes conscients de ta toute puissance. Ma prière est que tu puisses revêtir cette famille, revêtir des enfants qui vont partir à Brazzaville, de ta gloire et de ta majesté, de ta main de gloire, et que ta couverture de grâce repose sur eux. Adonai, tu es Dieu. Déploie, mon Dieu, mon roi, un mur invisible de protection, et que ta gloire assiste, mon Dieu, mon roi, la famille. Père, sois le soutien de cette famille, le garant de l'unité. Glorifie ton nom, Seigneur. Père, je remets entre tes mains. Je remets entre tes mains cette famille. Personne ne délivre de ta main à toi, le Dieu véritable. Je remets entre tes mains cette famille. Car je crois que ce que tu tiens dans ta main, personne n'a l'autorité, ni la capacité, ni le mandat d'arracher. Parce que tu es le maître de toutes choses. Glorifie ton nom, Seigneur. Sature leur environnement à Brazzaville de ta présence. Que personne ne méprise cette famille. Qu'aucune parole prononcée de malédiction puisse les atteindre au nom de Jésus. Adonai, tu es Dieu, donne gloire en ton nom. Père, occupe leur esprit de ta présence et de ta gloire, de ta sagesse. Adonai. Tout genou fléchit devant eux au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Père, que ta puissance soit manifeste. Merci, Seigneur, pour tout. Entre tes mains, je remets. Je remets la maman, je remets la famille. Adonai, précède tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Yeah.
Thank you.
Hey!
Ça marche, on est venu pleurer, papa Koblé. Ouais, c'est vrai. Papa a fait sa vie aussi. Hein. Bien donc, sûr. Il doit aller en paix. Il reste sur terre, on doit s'entendre, on doit s'aider, on doit se comprendre. Il n'y a pas plus beau que ça. Merci, frère. Ok. Ah, merci beaucoup. Ça y est, on s'en va. Oui. Entrez bien. Merci. Roulez doucement surtout. Y'a Michel. Oui. Ah, t'as là, Claude Bigansaka. Ouais, il n'y a pas de secret ici. Oui, il n'y a pas qu'un. On est venu pleurer, papa. Il n'y a pas de secret ici. Il a fait 88 ans dans. Non, on doit être heureux, lui, on doit être heureux pour lui. Hein. Regarde les fruits et le bac. T'as la gare. Il a créé, il a il vraiment a créé. On doit le remercier. Il a transmis beaucoup de choses. Mais voilà. Voilà, vraiment. Merci. Lui, il a fait. Donc, on ne peut être que heureux. Au moins, il a rempli. Il nous a montré l'exemple. C'est nous qui devons suivre maintenant son exemple. Vraiment. Voilà. Avec beaucoup de sagesse. Merci. Mais entre-temps, nous, on était en train de réfléchir. Tu peux je sais que vous réfléchissez beaucoup. Mais excusez-moi. Avec le jus là, le jus. Ça, c'est mon doyen. Yaya. Oui. Ah, vraiment. Mes condoléances les plus sincères. Merci. Nous avons perdu notre papa. Yacoblé. Ah, ça c'était un vieux. Mon logos. Ah, vraiment. Yaya, vraiment, enterrons notre papa dans le respect. Merci. Vous savez, c'est même mon voisin, hein? Le village d'à côté. Et ah, vraiment. Yaya René, vraiment, avec. Au nom de Dahomey, je porte ça. Et merci. À tous. Oui. Yaya. Merci. Enterre papa, enterre papa. Merci, merci. Ouais. Gilles Koubatika. Ouais. Le jus n'aime pas hein, la caméra. La caméra. Merci. Yaya man. En rentrant, vous roulez doucement s'il vous plaît. Merci. Avant. Ah bon, hein? Ah bon? Elle est ce qu'il y a.
dimanche à tous. Hein. On est ensemble, roulez doucement surtout. Okay. Merci.